Bonjour à tous, Rémi Abouchon sur Acrofoot TV. On est au Stade Terreuse de l'Université Laval. Je suis avec Danny Groux. Danny, vous venez de gagner 40-17 face aux Varières de l'Université de Sherbrooke. Comment tu te sens? Ça sent vraiment bien pour le vrai. Pour moi, c'est une grosse victoire, mais c'est le début, man. Début de trois gros matchs. Ça, c'est pour moi, j'ai dit aux gars, c'est comme un bol d'or. Fait que vous voyez ça comme un bol d'or. Le collégial, champion du Québec, t'es champion du Québec. Le next step, demi-finale. Après ça, c'est la finale. Let's go. That's it. Survient au match d'aujourd'hui. Vous avez gagné plus de 300 verges au sol. J'ai pas les statistiques finales, mais encore une fois, énorme performance de la ligne offensive. Parle-moi un peu de ton unité, là. The crew. Ça, c'est The crew. C'est nous autres, ça. Depuis le début de l'année, on est tête. On est l'unité la plus tête qu'il n'y a pas. Puis on supporte toujours. Peu importe l'adversité, on est tout ensemble. On va rester ensemble. Peu importe ce qui arrive, on est fort physique. On y va à 100% à chaque jeu. C'est ça que ça donne, des games de 300 verges et plus de course. Victoire de 40-17 contre Varières de Sherbrooke. Est-ce que c'est plus ou moins ça à quoi tu t'attendais? Je m'attendais à une grosse game pour de vrai. Le score, tu sais, il y a eu du bon football, même si le score ne veut pas vraiment le dire. Mais check, nous, on était prêts à tout. On savait c'était quoi une game de championnat, puis on l'a prouvé aujourd'hui, puis on va continuer à le prouver. L'an dernier, ça a été une victoire crève-cœur en finale de la Coupe Vanier contre McMaster. Est-ce que vous aimeriez ça avoir un rematch dans deux semaines? Pour l'instant, je vais match après match. Demi-finale la semaine prochaine contre Acadia, puis si on se rend à la Coupe Vanier, hey, check. N'importe qui devant moi, man, je veux la gagner, cette coupe-là. That's it! Ben, Danny Groux, merci beaucoup. Félicitations, c'est Rémi Abouchon sur Acrofoot TV. Free TV time!